Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a du monde déjà, je vais attendre un petit peu. Alors vous pouvez observer, donc là, aujourd'hui, le but de ce MATLIVE, je répète, je ne suis pas sûr que j'ai été entendu, le but de ce MATLIVE est de poursuivre et tenter d'achever, on verra bien, l'exercice que nous avons démarré la dernière fois, qui était un exercice de type bac. Voilà, les gens arrivent. Je devrais être un petit peu prudent et démarrer quand je vois que vous êtes plusieurs. Bienvenue à ceux qui sont déjà présents. Voilà le tableau blanc. Si vous voulez participer à ce MATLIVE, je vous invite à vous rendre sur le lien ci-dessus, awap.com, etc. De ne pas hésiter d'indiquer vos noms ou pseudo. On s'en fiche, et de participer lorsque je vous solliciterai pour réaliser une question ou pas. Alors, je vais remettre quelques instants, vous êtes quatre là pour l'instant, je vais remettre l'énoncé, donc il s'agissait d'un cube, ABCDEFGH, pardon, de côté 1, on nous a imposé le repère orthonormé. L'origine, c'était B, etc. Nous avions traité la première question. J'ai réécrit la représentation paramétrique que nous avons obtenue. Bon, alors, extrêmement trivial,
x égale t, y égale t, z égale t. Et donc là, il fallait qu'on traite la question 2. J'avais bon, posé quelques remarques. Merci Lucie, bonjour Lucie. Heureux de te revoir. Et donc, je vous avais expliqué que la méthode habituelle pour prouver qu'une droite est perpendiculaire à un plan, c'était de trouver deux droites séquentes de ce plan, de telle sorte que la droite initiale soit orthogonale à chacune d'entre elles. Mais là, comme on était dans une situation où on connaissait on était dans un repère, la méthode la plus simple, finalement, va s'avérer. Alors attendez que je ne perde pas mon tableau blanc. La méthode la plus simple va s'avérer la méthode qui permet de prouver que les vecteurs sont orthogonaux. Alors les vecteurs directeurs des droites dont je venais de faire, auxquels je venais de faire référence. Concrètement, il faut choisir deux vecteurs non collinéaires du plan DEG, de telle sorte qu'on puisse rapidement connaître leurs coordonnées et prouver que le vecteur BH, scalaire chacun d'entre eux, fournira un résultat nul. Alors bon, à quelqu'un qui vient d'écrire, non, c'est peut-être moi. Alors attendez, je vais effacer ce que j'ai écrit là. Et si quelqu'un veut prendre la main, are you sure to clean? Yes. Si quelqu'un veut prendre la main et bah déjà me donner les coordonnées du vecteur BH et puis bah après évoquer quels sont les vecteurs que vous allez choisir vous. À vous de jouer. Il faut vous connecter au tableau blanc. Le lien est au-dessus de la vidéo. Si personne ne s'y colle, ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Ça ne pose pas de problème, tout ça. Alors, bon, j'y vais alors. Les vecteurs que je choisis vont être les vecteurs, alors, bah, deux vecteurs de DEG, bah, je vais prendre les points DEG, en fait, puisque je connais leurs coordonnées à chacun des trois. Alors, en l'occurrence, si vous avez un souci de compréhension avec ce que je vais vous dire, vous n'hésitez pas à m'interroger. Donc, par exemple, le point D, observez bien le cube, le point D, il a pour coordonnées 1, 1, 0. Le point, on va prendre E ensuite, le point E a pour coordonnées 1, 0, 1. Et enfin, le point G a pour coordonnées 0, 1. Voilà. Alors, je regarde quand même s'il y a des commentaires. Guillaume et Abel, bonjour Guillaume, bonjour Abel, bienvenue. Bonjour Jean-François. Et Jean-François, bienvenue. Voilà. Alors, bon, particulièrement vous trois, si vous voulez participer sur le tableau blanc, n'hésitez pas. Je vous laisse le temps il doit être. Je vérifie, normalement, il a l'affichage, l'énoncé de notre exercice. Vous pouvez le retrouver. Donc, j'ai laissé j'indique mes sources, le site de l'APMEP, si vous voulez le voir sur une autre page, n'hésitez pas, ça est sur le site. C'est donc Antilles-Guyane, septembre 2016. Donc voilà, je suis rendu à l'exercice 2 et j'essaye de démontrer que la droite BH est perpendiculaire au plan DEG. J'ai donné les coordonnées des points DEG dans le repère d'origine B et de vecteur directeur BA, BC, BF. Et là, maintenant, mon boulot, bah, ça va être de calculer les coordonnées
Alors, bon, bah, mon choix s'est arrêté sur les vecteurs DE et DG. Et donc, à partir. Alors, quelqu'un. Faut pas me faire de blague, il faut pas m'effacer. Est-ce que c'est moi qui ai. Alors, DE, le vecteur DE. Quelles sont ses coordonnées? Alors, les coordonnées du vecteur DE. Puisque j'ai les coordonnées de D, alors les coordonnées de D, c'était 1, 1, 0, les coordonnées de E, c'est 1, 0, 1. Donc les coordonnées de DE, ça va être 1, moins 1, 0. L'ordonnée, c'est moins 1. Et la cote, 1. Ensuite, DG, le vecteur DG, il a pour coordonnées moins 1, 0, 1. Je vous laisse vérifier. Moins 1, 0, 1. Alors, est-ce qu'il est possible que. Alors, attendez, photo. Oui, mon tableau blanc. Il est là. Voilà. Bon, il y a des choses qui s'effacent par moment. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà mon tableau blanc. Alors, Attendez. Non, ça va pas. Il faut que j'efface. Bon, écoutez, c'est très imparfait, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout ça. Tac, là, j'efface. Voilà. Alors, maintenant, il faut que j'effectue le produit scalaire du vecteur. Alors, c'était quoi celui de départ? C'est le vecteur BH. Donc, je n'ai pas calculé les coordonnées pour l'instant, il faut que je fasse. Alors, BH, le vecteur BH, il a pour coordonnées 1, 1, 1. Alors, il faut que je puisse. BH. Oh. Ah oui, je suis en gomme là, ça ne va pas le faire ça. BH, un pour coordonnées 1, 1. Et donc, si j'effectue le produit scalaire, alors on ne le voit pas trop là, hop, j'avais diminué, voilà. Si j'effectue, alors je vais tout effacer, si j'effectue le produit scalaire de BH par DE, bon, je ne vais peut-être pas l'écrire, c'est 1 fois 0, 0, plus 1 moins 1, ça fait moins 1, plus 1 fois 1, ça fait 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Ensuite, le produit scalaire de BH par DG, ça fait moins 1 par 1, moins 1, 0 fois 1, 0, et 1 fois 1, ça fait 1. Le produit scalaire de DG par BH fait également 0. Et donc, bah, voilà. Nous arrivons finalement quasiment au résultat. J'ai bien prouvé que les vecteurs BH, que le vecteur BH était orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan DEG, en l'occurrence DE et DG. Et bah, ça achève la démonstration. On a bien prouvé que la droite BH est perpendiculaire au plan DEG. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Ça doit être immensément clair, forcément. J'espère que vous voyez surtout. Bon, vous avez pas quitté le MATLAB, donc c'est que ça. Ça ne doit pas être si désespérant que ça. Alors ensuite, troisièmement, déterminer une équation cartésienne du plan DEG. Bon, je vais tout effacer. Je vais tout effacer. Si je peux. Ouais, yes. On corrige la qualité du live 240p avec la connexion. On ne voit pas les énoncés et on revient. Ah bah, flûte. La qualité du live. Ah oui, j'ai dû mettre une qualité optimale. Bah, à tout de suite, les gars. Bon, je vais lentement. De toute façon, ça sera mis en ligne. Donc, ça restera en ligne. Alors, je retourne sur mon tableau blanc. Voilà, c'est effacé. Et donc, je vais traiter la question suivante. Alors, 4, s'il y a du monde là. La question suivante, c'est déterminer l'équation cartésienne du plan DEG. Alors, on vient de prouver, pardon, que la droite BH est perpendiculaire au plan DEG.
Donc, en fait, ça signifie que le vecteur BH est un vecteur normal au plan DEG. Ce qui signifie de plus que j'ai tout un tas d'informations sur les coefficients de l'équation cartésienne du plan DEG. Si jamais elle est pour l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0, eh bien, je peux dire que les valeurs ABC sont les coordonnées du vecteur normal, sont égales, pardon, aux coordonnées du vecteur normal, qui est le vecteur BH qui avait pour coordonnées 1, 1, 1. Donc le plan, il a pour équation quelque chose du type 1x plus 1y plus 1z plus d égale 0. Donc il me reste à déterminer. Alors je vérifie qu'on voit. Ouais, on voit. Alors. Il faudra que je me rappelle comment on déplace cette histoire. Bon, ça va aller. Ça va. Tant que vous voyez, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il nous faut déterminer le D. Comment faire pour déterminer le D? Eh ben, il suffit que je remplace les x, y, z de l'équation de mon plan par les coordonnées d'un des points du plan. Alors, le plan, c'est le plan DEG. Je prends des coordonnées au hasard. Je prends des coordonnées au hasard. En l'occurrence, je ne sais pas trop, je vais prendre les coordonnées de, peu importe, de D. Quelles sont les coordonnées de D? C'est 1, 1, 0. Alors 1, 1, 0, ça veut dire que ça fait 1 plus 1 plus 0 plus D égale 0. D'où D. Alors, je vais effacer. J'ai un petit souci. Hop, ma gomme. Toc. D'où D égale moins 2. Hop, D égale moins 2. Et donc, l'équation de mon plan, finalement, c'est x plus y plus z moins D égale 0. Je vais effacer. Tout. Et je vais mettre l'équation de mon plan. Toc, toc.